La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Son Excellence, Monseigneur Mathieu Leroy Mésidore, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Port-au-Prince, cher prêtre concélébrant, religieux, religieuse, responsable de la fonction publique, pèlerins venus de partout, sœurs et frères, bonjour. Bonne fête. Quelle joie nous anime aujourd'hui, 4 novembre 2018, où nous célébrons la solennité de notre saint patron Charles Borromée, qui mena une vie conforme à l'évangile du Christ. Un serviteur de Dieu humble, généreux, dévoué et pieux. Comme le Christ qui a donné sa vie pour notre salut, Charles Borromée a toute sa vie vécu dans la charité pastorale. Un père pour les plus pauvres, disait-il. Tout le temps qu'un évêque a à sa disposition doit être consacré au salut des autres. Il est pour nous un modèle de sainteté. Aussi, en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie nous interpelle et nous invite à méditer sur le plus grand des commandements, l'amour de Dieu et du prochain. Au début de cette célébration eucharistique, ouvrons-nous à la grâce de l'amour, qu'elle nous aide à toujours rechercher dans notre quotidien à faire la volonté de Dieu et grandir dans la sainteté. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce dimanche, jour du Seigneur, pour le louer, pour lui rendre grâce, pour écouter sa parole et pour partager le corps et le sang du Christ.
La Sainte Église fête aujourd'hui Charles Borromée, archevêque de Milan, pasteur zélé, homme de Dieu, serviteur des pauvres. Avec lui et pour lui, nous allons rendre grâce au Seigneur. Mais pour débuter cette célébration, reconnaissons nos pécheurs et implorons le pardon du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et pour les saints, et vous aussi mes frères, priez pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. L'esprit qui animait Saint Charles Borromée, ainsi ton Église, sans cesse renouvelée, est toujours plus fidèle à l'Évangile, pour la montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Par là, Moïse, dans le désert, invita le peuple d'Israël de choisir le seul et l'unique Dieu. Écoutons cette lecture du livre de Deutéronome, au chapitre 6e, les versets 2 à 6. Au peuple d'Israël, tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ses commandements et ses ordres que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays où ruisselle le lait et le miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 118. Après chaque strophe, nous dirons « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Ensemble, « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Je t'aime, Seigneur, ma force. Ensemble, « Je j'aime ta loi, tous les jours je la médite. Je surpasse en sagesse tout ma maître, car je médite tes exigences. Je t'aime, Seigneur, ma force. Les chemins du bal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Je t'aime. Mon palais, ta promesse, le miel à moi et le saveur de ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je vais au chemin du mensonge. Je t'aime, Seigneur, ma force.
j'observerai tes justes décisions. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Bon Dieu, si tellement remets-nous, il va nous celle grande petite fille qui mourit pour nous sur la croix. Nous n'avons pas besoin de faire aucun sacrifice encore. Avec la ville, il va être pour nous. Il était présent dans le temps nous pour tout le temps. En écoutant l'Ectisa dans l'Ettre Hébreu, chapitre 7, sorti verset 23 pour arriver verset 28. Frère Mio, c'est mieux. Dans le premier contrat, il y a un pile prêtre. Il est venu l'un après l'autre parce que le mot empêchait de prêter. Jésus même, peut-être li là pour tout temps, il a un service prêt qui n'est pas fini. C'est pour ça tout, li cap sauver net, nous nous fait procher contre bon Dieu, lui-même qui toujours vivant pour faire des mains pour lui. Oui, c'est prêt en chef ça même nous avons besoin. Li respecter bon Dieu net, li pas qu'on fait aucun mal, li sans défaut, li pas mêlé à péché yo, et li monter puis vous passer ciel là. Il n'est pas obligé tant pour l'autre prêtre yo faire service chaque jour pour pécher pas l'avant, les fini pour pécher peuple là. Réellement vrai, ça lui fait yo seul grande foi. Les libay tête li a. Gardez-nous, c'est monde qui plein faiblesse l'autre Moïse yo nommé prêtre en chef. Mais parole contrat qui vient après l'autre yo, c'est petite qui finit en forme net là qui nommé prêtre en chef tout le temps. Parole grand maître là. S'il vous plaît, Guillaume Nissan, etc., BB08-195, qui va le caïmer. Nous avons besoin de sortir ou pas de sortir. S'il vous plaît, mettre machine là, qu'on déplace pour nous, pas plus. Grand maître là avec nous tous. Mais bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Jean qui saint. Jésus dit pharisien yo, c'est moins bon gardien. Bon gardien fait cadeau la ville pour mouton yo. Moun ka fait un job, moun ki pa gado, moun mouton yo pa pou li,
Ouais, li ouais chien enragé a vini. Li la gen mouton yo, li sauvé. Chien enragé a pran mouton yo, li la gen yo. C'est parce que c'est un monde qui a fait un job lié. Qui met les mouton yo? C'est moi, bon gardien. Moi connais mouton yo. Mouton yo connaît. Même Jean-Papa connaît. Et puis moi connais papa. Moi fais cadeau la vie pour mouton yo. Moi gen l'autre mouton toujours qui pas dans pas ça. Faut que moi mène ça yo vini tout. Y a coûté voix. Comme ça va gagner un seul bon mouton avec un seul gardien. C'est ça qui fait papa rien même. C'est parce que moi fais cadeau la vie pour moi tourner prendre. Personne pas été là même. Mais c'est moi qui fais cadeau pour propre volonté pas. Moi gagne pouvoir faire cadeau. Moi gagne pouvoir tourner prendre. C'est l'autre ça, moi joigne, non mais papa. Cher Père François Portin, curé de la paroisse, cher Père Vicaire, confrère dans le sacerdoce ministériel, Monsieur le Maire, ses assesseurs, autorités de l'État, parlementaires, autorités de la police, responsables publics à divers niveaux, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés. Dans la foi, nous sommes rassemblés autour de l'autel du Seigneur pour lui rendre grâce d'avoir donné à son Église un pasteur exemplaire en la personne de Charles Borromée, archevêque de Milan. Soucieux de la formation de ses prêtres et de la sanctification du peuple de Dieu, Charles Borromée fonda les premiers séminaires. Il réforma le clergé par des synodes et transforma la vie de ses fidèles par ses vibrantes prédications et ses visites pastorales. Ce faisant, il a suivi l'exemple du bon pasteur, Jésus le Christ, lui qui est venu pour servir
et apporter la vie aux hommes. L'évangéliste Jean, comme nous venons de l'écouter, met sur les lèvres de Jésus ces belles paroles qui constituent à elles seules un programme. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Frères et sœurs, avec Jésus, c'est l'abondance. Le vin des noces avait été donné en abondance, environ 600 litres. Le pain multiplié en abondance laissait 12 corbeilles de reste. La pêche miraculeuse fera déborder la barque de poissons. Mais ce ne sont que des images. La réalité est encore plus belle. Il y a une vie en abondance. Cette vie est celle de Dieu. Seul Jésus ouvre un espace infini pour l'homme. En dehors de Jésus, l'humanité est enfermée en elle-même. Aucune idéologie, aucun leader, aucune découverte scientifique ne nous empêche d'être mortels. Mais Jésus, homme Dieu, nous arrache à notre impuissance et nous introduit au domaine divin. Jésus, mes frères et sœurs, c'est la porte qui ouvre sur l'infini. Jésus est la porte qui ouvre sur l'éternel. Je suis, dit-il, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Il est la porte d'accès au Père. Jésus est le vrai berger. Jésus est le bon pasteur parce qu'il risque sa vie pour protéger ses brebis et parce qu'il entretient avec ses brebis un rapport de connaissance unique enraciné dans sa propre connaissance du Père. Mes frères, mes sœurs, Jésus est le seul passage par lequel on peut accéder aux brebis. Hors de lui, il n'est pas d'accès au peuple et à la vie. Celui qui ne le reconnaît pas, celui qui ne s'unit pas à Jésus dans la prière, dans l'Eucharistie, risque d'être un mercenaire plutôt qu'un pasteur. Charles Borromée l'avait bien compris. Il s'est attaché au Christ. Charles Borromée s'est donné entièrement à Dieu. Et toute sa vie témoigne qu'il fut un pasteur selon le cœur de Dieu. Un pasteur soucieux de son clergé, c'est-à-dire de ses prêtres. Un pasteur soucieux de son peuple. Et ces deux points, ça y est, nous avons fait tirer dessus. Charles Borromée, que nous avons fêté matin, nous fêtons chaque 4 novembre, son pasteur, un évêque, soucieux de son clergé, de ses prêtres. Concile de Trente, que Charles Borromée était participé là-dedans, t'a insisté en pile sur la formation des prêtres. Une formation humaine. Une formation intellectuelle et surtout chrétienne. Trois thèmes, ça y est, il y a un poids. Moun qui paye, moun qui pasteur, il y a une formation humaine. Ça, c'est la Kaili qui commence. Il y a une formation intellectuelle pour faire paix, une série d'études forfaites. Après la philo, la philosophie, 2 ans, la théologie, 4 ans, stage, propédeutique, il faut une formation intellectuelle. Mais il faut surtout une formation chrétienne.
Parce que tête ou kagan pile connaissance ou kagan pile diplôme, mon pas gen cœur. Et ça va pas servir à rien. Pour être pasteur, il faut sincèrement une formation intellectuelle, mais surtout une formation humaine, une formation chrétienne. Et ça fait m'dal veut dire tout maman, papa qui l'a songé, yon paix, yon évêque, yon maire, yon magistrat, yon député, yon président, c'est en nakay maman li joine éducation d'abord. Et s'il pas joine ni tôt ou tard après ça. Quel que soit poste li occupé, depuis le pas bien éduqué, la kay maman ou après ça. C'est la kay, yon commence à former monde. L'école capable de compléter. L'église qui a complété. Mais si la caille n'a pas gagné comme éducation, mon ami est arrivé au coup le carreau, ou après que grand pile bagaille lui manque. Charles Borromée, le l'a mis en application les directives du Concile, l'a créé en 1564 un des premiers séminaires pour la formation des prêtres. Il développa l'enseignement de la théologie. Il veilla sur ses prêtres et les conseilla. Charles Borromée, il était un papa pour Pellio, il était un conseiller pour lui. M'brasse ton petit phrase. Il était by Pellio, non enseignement de Tabayo, vers les années 1570, une phrase qui je dis a toute importance. Charles Borromée dit, Peyo, tu as la charge de prédication et de l'enseignement. Et tu dis, applique-toi à tout ce qui est nécessaire pour bien exercer cette charge. Soucie-toi d'abord de prêcher par ta vie et tes mœurs. Sougain pour prêcher, former, étudier la Bible là. Mais songez que plus gros prédication, hein, c'est la vie ou c'est comportement, la pied. Ça veut dire, soit prêché yo, et c'est vivre yo ou même. Charles Borromée dit, mon père, tu as charge d'âme. Ce n'est pas une raison pour négliger la charge de toi-même. Tu dois te souvenir des âmes dont tu es responsable, mais sans t'oublier toi-même. Ou responsable peuple là, ou c'est évêque, ou c'est pasteur, ou c'est responsable, pas oublier, ou bien tête ou tout pour occuper. Si bien qu'on pas qu'à négliger toute bagaille sans tôt, ou négliger toute bagaille de vous-même, parce que vous avez responsabilité, c'est pour ça au grand temps de vacances, au grand temps de ressourcement, parce que vous-même, si vous pas faire le plein, ou pas capable de bailler peuple. Charles Borromée, conseiller, père de ses prêtres, était conseiller et père du peuple de Dieu. Et ça qui fait, je dis, il faut penser à tout évêque, tout pasteur, tout père, pour la prière pour eux, pour être capable de suivre l'exemple Charles Borromée. Deuxième qualité Charles Borromée, qui fait que l'Église présente nous comme modèle, un pasteur soucieux de son peuple. Charles Borromée, archevêque Milan, réputé comme le plus grand diocèse de la terre. L'archevêque Milan à Rome, c'est comme si c'est plus gros diocèse sous terre au responsable. Alors, archevêque de Milan, monsieur visitait tout territoire. Il y a une responsabilité ton évêque, c'est les visites pastorales. Visiter toute paroisse. Mais il sentit que ça par contre, évêque là qui a passé, il prêchait. Père capable de faire messe. Mais une bonne zone reculée. Il dit, frère, l'évangile là tout. Ça le fait. Il crée des missionnaires diocésains sous le nom d'Obla de Saint-Ambroise. Pour annoncer l'évangile là, en pile côté, en pile paroisse, en pile chapelle. Nous avons des paroisses Carrefour qui fait ça déjà, continue à faire plus toujours. Pour nous des équipes de monde de laïcs qui capable de sortir à l'an quartier yo, sorti à l'an localité qui loin yo, pour bailler bonne nouvelle. C'est ça, patron noir,
te connaît que faire te créer groupe ça yo. Ou capable prendre 5 6 moun, ou capable prendre 3 moun. Dis-moi ça. Yo divisé en plusieurs groupes, il y a l'en pile quartier. Ça veut dire en pile moun ou pas joindre ici hein. Yo même yo gen moun qui porte parole là-bas yo. Et ça fait grand pile chapelle, et ça fait grand chapelle tout vinn tourner paroisse parce que tu gen moun qui prêt annoncer bonne nouvelle là dans zone ça yo. Et ça va pour grand monde seulement, moi connais des jeunes. Moi t'ai dans des paroisses côté des jeunes intéressés à ça. Dimanche matin dès 5h, yo connais marcher plus de 2 heures de temps. Puis ça yo pral faire, yo pral faire la prière. Yo pral faire office dans ces deux zones qui pas aucune chapelle pour faire moun yo connais bonne nouvelle. Charles Bohomé, tu as un souci ça. Tu as un souci de la formation du peuple. Et ça fait te développer l'enseignement religieux, le catéchisme. Il est tellement fait que tu as proclamé le patron des œuvres catéchétiques en 1934. Tout le monde qui a fait catéchisme ici, là, ou bien quelque part côtoyé, ou mettre considéré Charles Bohomé comme un patron pour vous, parce que son monde qui a un souci, catéchisme en pile. M'a insisté au nom de l'église là. Aujourd'hui, il nous faut une catéchèse éclairée, une catéchèse approfondie, capable de répondre aux grands défis du monde. Il nous faut une catéchèse qui prépare non seulement au sacrement, mais qui vise à former des disciples missionnaires de Jésus-Christ. Frère Mio, Sœur Mio, je vais vous dire une expérience dans la paroisse, mais en pile côté, hier soir encore, je vais insister sur ça avec moi. En pile fidèle, nous, dans l'église catholique, nous avons une bonne volonté, bonne foi, nous manquons de formation. Nous ne savons pas ça, l'église est vraiment. Yon pile ba l'église a yon pa konnen parce que ti catéchisme yon te prenne yon tap komine yon, depuis yon fin prenne, yon pa joun presque yon encore. Il faut une catéchèse permanente. Ça veut dire la messe du dimanche, c'est aussi une catéchèse. En semaine, nan nan paroisse, nous prévoyons un jour de formation pour les responsables de groupe, pour ce catéchisme, tout le monde de bonne volonté. Ou capable de venir dimanche, on joue dans la semaine, nan, ou prend tel point dans l'église, ou prend les sacrements. On joue capable de prendre pour qui ça a baptisé Timon Petit. On joue capable de prendre pour qui ça a un statut dans l'église, etc. Pour fidèles, on capable de connaître la doctrine de l'église, ça l'église. Il faut une catéchèse approfondie. Je dis, nous pas qu'à contenter d'un catéchisme un an pour Timon qui peut faire première communion, un an bien quelques mois pour Timon qui peut faire confirmation. Non, tant ça a dépassé. Avec les défis du monde, avec moyens tout qui est à disposition, nous, faut faire catéchèse permanente, approfondie. Et dans le diocèse, l'évêque est le premier catéchète. Dans la paroisse, le prêtre est le premier catéchète. Ça veut dire qu'il faut un souci qui pourbaille pour enseignement religieux. C'est pour ça que je profite de cette tribune, de cette chaire, pour me dire honneur et mérite aux catéchistes. Infatigable. Qu'un de monde qui gagne 50 ans depuis a fait catéchisme dans l'église là. Qu'un monde qui gagne 40 ans. Qu'un de monde jusqu'à l'an moyen yo fait catéchisme. Yo pas recevoir un goud comme salaire. Yo fait en vertu de leur vocation chrétienne, en vertu de mission recevoir dans le baptême. Moun sa yo par contre quantité bien yo fait parce qu'en pile monde qui jodi a qui a occupé de grandes fonctions dans l'église, de grandes fonctions dans l'État, c'est ancien ça, c'est grand monde ça, qui t'a appris à connaître Jésus-Christ, qui t'a appris à connaître la prière. Moi, j'étais chapeau devant le catéchisme. Et mon cap fait catéchisme, non seulement dans la paroisse Saint-Charles, mais dans toute zone Carrefour. Je me félicite, je m'encourage à aller de l'avant, et je me dis, nous, ouvrez les yeux. Nous avons une commune qui a plus de monde dans le pays. Nous avons une grande commune, Carrefour, c'est presque un diocèse. Nous avons besoin de pile formation. Nous n'avons pas qu'à quitter le groupe avec les jeunes comme ça. Nous avons besoin de pile laïcs engagés qui forment les têtes, puis plus pour former plus de monde. Et ça fait, moi-même, dans le programme pastoral, il y a un grand point, c'est la formation
et vous demandez une formation dans l'archidiocèse de Port-au-Prince pour que fidèles nous plus connaissent Jésus-Christ, puis au carême le plus, puis au servir le plus bien. Charles Borromée, non seulement il était des fidèles lui formés, mais la vie peuple était soucié de lui. Le la peste a ravagé le diocèse là. En 1576 et 1578, Charles Borromée comme évêque dépensait sans compter pour venir au secours de monde qui était une maladie. Libaï rad. Bon bagay Charles Borromée fait, c'est extraordinaire. Comme évêque, rad parle de gain, oui. Il entre dans le buffet, il parle pour un pile monde qui te gagne la peste, qui pas de rad pour mettre sur lui. Même normalement, évêque, là, son mité pour venir faire merci, que de l'arrivée, il dit son monde remène, il vend nos monnaies, il achète une qui est plus simple, comme là, il voit pour malheureux, qui t'a souffri, à maladie, la peste. Il cherchait l'argent, Charles Borromée mendait. Donc, vous demandez charité, pas pour lui, pour le porter pour tout le monde qui était couché malade avec la peste, pour qu'il y ait un soin. Et il prend quelques monde qui n'a pas de caille, il fait une rite, même côté le territoire dans l'évêché. On sait que les gens qui n'ont pas de côté pour être, il fait un espace la caille, il met des malades à eux, il soulage. Charles Borromée, exemple pour nous tous. Quel exemple pour vous? Du Seigneur. Quel exemple pour vos autorités de l'État qui en principe est les serviteurs du peuple. Interrogeons-nous sur le degré de souci que nous avons pour le peuple que nous sommes censés servir. Ce pasteur zélé et courageux mourut en 1584. Fidel Kafou, nous connaissons à qui l'âge Charles Borromée mourit. À qui l'âge Fidel Kafou, nous connaissons pas trop non. Il mourit à 46 ans. 46 ans. Il est mort jeune. 46 ans. Mais une vie bien remplie. L'auteur du livre de la sagesse n'a-t-il pas écrit? Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Charles Borromée mourit jeune, 46 ans, mais la ville bien remplie. Ce n'est pas le nombre d'années vivent là qu'il faut gagner mérite, qu'il faut réaliser grand. C'est son fait, c'est gens vie ou teye. C'est ça que fait frère Axemio, puis nous perd du temps, puis nous gaspiller vie nous. Parce que nous ne savons pas combien de temps bon Dieu a pas accordé nous pour nous vivre sur terre. Charles Borromée mourit, tout le monde. Vénérez-le, respectez-le, peuple Milan, criez pour évêque ça. Mais plus bel cadeau, Charles Borromée gagné, c'est non seulement que dans l'église là, nous fêtons le 4 novembre, mais sous ton nid, il y aurait écrit un petit mot qui résumait toute sa vie. Là, sous ton nid, il y a écrit humilitas, humilité. Sous ton nid, il n'y a pas demandé pour écrire un pile gros bagaille. C'est le peuple qui a choisi humilitas. Je te camarade Charles Borromée, cardinal à tel âge, archevêque de Milan, aucun de ça. Humilité. Frère Mio Sonio, exemple pour nous tous. Exemple pour nous-mêmes qui avons autorité. Et pas trop longtemps, grand chef d'État qui mourit, il part dans l'église. Il était communiste. Il n'est pas dans la prière publiquement. Il te dit le mot, il a écrit grand bagaille sur ton nez. Il ne peut pas faire un pile ou poté non, pas faire bonne bagaille, pas de culte de la personnalité. Il dit je m'en vais par le chemin de tout le monde, c'est fini.
Nous comprenons qui est. Nous avons besoin de citer nos noms. Frère Mio Samio, prenons un exemple, l'homme, le chrétien et le pasteur que fut Charles Borromée. Avec Charles Borromée, prions le Seigneur au cours de cette fête pour les pasteurs de son église. Prions pour le pape François, pour les évêques. Priez aussi pour moi. Priez pour les prêtres de Port-au-Prince, afin que le Seigneur nous assiste de son esprit de lumière et de force dans la noble mission de conduire son troupeau. Priez aussi pour les membres des grands pouvoirs de l'État, les membres du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, pour qu'ils cultivent davantage le sens de responsabilité et du service. Qu'ils se rappellent toujours qu'ils sont les serviteurs de l'État, les serviteurs du peuple. Je vous invite ce matin à prier aussi pour les membres de la police nationale, afin qu'ils remplissent leur mission avec courage, afin qu'on les respecte, afin que aussi les policiers respectent le peuple, afin qu'ils remplissent leur mission dans le respect des institutions telles que les églises, les hôpitaux, les écoles. Faut tout policier toujours songer ça, l'église, l'hôpital, l'école, respecter, pour pas voir gaz tout près parce qu'on fait un pile malheur. Qu'ils ne fassent pas usage abusif des moyens mis à leur disposition pour garantir l'ordre et la paix publique. Mais que rejoignent tout dans les populations, hein, respect et compréhension. Prions pour les catéchistes, les agents pastoraux. Prions pour les personnes qui n'ont pas pu venir à cette célébration. Prions pour les malades, les personnes à mobilité réduite, les enfants abandonnés et les jeunes en désarroi. Prions pour la belle paroisse Saint-Charles de Carrefour, qu'elle reste fidèle à sa mission. Que par la prière de Saint-Charles Borromée et l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père renouvelle sans cesse son Église et veille sur notre pays, Haïti, qui est à une phase critique de son histoire. Amen.
Sœurs et frères bien-aimés, partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, adressons nos prières au Père de toute miséricorde. Sois-tu Dieu d'amour, avec confiance, nous te prions pour notre Église et ses dirigeants. Que ton Esprit Saint guide et soutienne ton Église, qu'elle annonce et proclame ta parole et te reste fidèle. Pour ceux que vous avez appelés à ta suite, le pape, les évêques, spécialement Monseigneur Max Leroy Mésidore, qui préside cette cérémonie, les prêtres et les diacres, qu'ils soient signes d'amour et capables de demeurer à l'écoute des autres et qu'ils imitent Saint-Charles dans ses vertus. Exauce nos prières. Si vous nous bénis, grand maître, ou même qui serait main, avec confiance, n'a pas la prière pour toute maladie. N'a qu'est sensible à bonté, accompagnez toute maladie, tout cela qui pague aucun support, monde qui abandonné et qui senti humilié. Tant pis, consolez, soulagez et puis guérir dans la souffrance. C'est pour y joindre confiance dans vous qui serait meilleur. Et puis c'est pour grâce à vous aider à joindre l'espérance qui en demain meilleur. Répondre à la prière. Béni sois-tu, Dieu d'amour, avec confiance, nous te prions pour les gouvernants du monde entier. Que les gouvernants des pays du monde entier conduisent dans la dignité le peuple qui leur a été confié et luttent pour la paix, la justice, qu'ils s'ouvrent à l'amour du Christ afin de mieux servir leurs frères et sœurs. Exauce nos prières. C'est pour nous ou bénis, grand maître, ou même qui serait main. Avec confiance, n'a pas la prière pour la communauté noire qui a fêté. C'est pour la communauté noire qui a fêté jeudi. À tout le monde qui rassemble là, apprendre à pardonner une l'autre. C'est pour y joindre donc pour y remettre. Et puis découvrir qu'il est content. Pour y vivre d'après puis vos commandements, bon Dieu. Qui serait main, bon Dieu. Remets prochain nous. Répondre à la prière nous.
Père de toute bonté, Jésus, ton Fils unique, nous apporte la bonne nouvelle de règne nouveau. Réveille-moi à ses appels de conversion et à sa mission d'évangélisation pour bâtir l'unité de ton peuple. Oriente notre vie par ton Esprit Saint, selon les exigences de ton amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles, de même que tu as fait de lui un évêque remarquable par sa vigilance et pour ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Charles, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
c'est par le sacrifice que nous réconcilions avec toi et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au nom de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max Leroy, qui précède l'Eucharistie, ses auxiliaires Éric et Ducange, l'ensemble des évêques, les prêtres les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Vous soyez l'aide dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, toi à ton Église cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
prions encore le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint-Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque de Port-au-Prince, chers confrères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, autorités civiles, judiciaires et policières, notables de la commune, frères et sœurs bien-aimés. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Cette année, la liturgie nous donne de fêter la solennité de la Saint-Charles un dimanche, qui est déjà jour de fête, puisque l'Église commémore et actualise la résurrection du Seigneur. Qu'il nous plaise de louer le nom du Seigneur pour ce double événement qui rassemble différentes couches de la commune de Carrefour. La fête de Saint-Charles demeure toujours une fête de ralliement et de convivialité. Les différents notables de la commune, quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique, se retrouvent ici, dans cette enceinte sacrée, pour célébrer Saint-Charles, si cher aux paroissiens et aux carrefourois. Pour arriver à ce grand jour, nous avons mobilisé toutes les énergies de la paroisse pour que la patronale soit vraiment une fête de foi et de joie. Le Seigneur nous a permis de vivre une neuvaine bien animée par plusieurs confrères venus de différentes paroisses. Ils nous ont aidés à mieux préparer nos cœurs pour l'événement d'aujourd'hui. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Voilà pourquoi toute notre vie doit être action de grâce et louange. Tout honneur, toute gloire au Dieu vivant et vrai qui nous a permis de réaliser cette belle fête. Merci Seigneur, merci. Et maintenant, nous nous tournons vers notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui a présidé la messe solennelle. Monseigneur nous a rendu plusieurs visites au cours de cette année, qui est sa première dans l'archidiocèse, et par conséquent, nous a révélé sa sollicitude pastorale. Monseigneur, depuis votre arrivée à la tête de l'archidiocèse de Port-au-Prince, vous avez fait preuve d'un pasteur qui veut être proche de son troupeau. Cette attitude prouve éloquemment que vous voulez faire église à la manière du Christ bon pasteur. Nous prions constamment pour votre humble ministère dans cet archidiocèse. Votre homélie, Monseigneur, nous a beaucoup réconfortés et nous donne d'espérer contre toute espérance. Merci, Monseigneur. Reconnaissance et gratitude à tous les confrères prêtres venus de différentes paroisses pour nous témoigner de leur fraternité et solidarité. Chers confrères, vous savez combien nous apprécions toujours à sa juste valeur votre présence à cette solennité qui tombe un dimanche cette année, et vous êtes là pour dire au peuple de Dieu, pour exprimer votre fidélité. Ce témoignage nous va droit au cœur, et le peuple de Dieu ici à Saint-Charles vous manifeste grandement sa reconnaissance. Nous applaudissons les confrères. Tous nos remerciements à nos confrères collaborateurs, en l'occurrence les pères Laurent et Francisque. Chers confrères, vous vous êtes donné totalement pour l'avancement de cette communauté et nous apprécions votre dévouement. Que la grâce du Seigneur vous accompagne toujours.
Merci à notre cérémonial, le Révérend Père Robinson Saturnin. Il est là avec nous, c'est lui le maître de cérémonie. Un grand merci à notre confrère, le Père Edwin Saint-Louis, le vice-chancelier. Nos remerciements s'adressent aux religieux et religieuses de la paroisse, en l'occurrence les frères du Sacré-Cœur, les sœurs de la Charité de Saint-Louis, les missionnaires de la Charité, les petits frères et petites sœurs de Sainte-Thérèse, pour tout leur dévouement et leur participation à la réalisation de cette fête. Un grand merci aux autorités civiles, judiciaires et policières et politiques. Le maire de la commune, M. Jules-Édouard Pierre, porte toujours le souci de cette fête et il y participe de grand cœur. Merci, Monsieur le maire. La paroisse vous est très reconnaissante et prie pour que vous ayez toujours à cœur l'avancement de cette commune si chère au Carrefour. Tous nos remerciements au député Jacques Beauville. Monsieur le député, vous faites toujours preuve d'un leader responsable et positif. La commune de Carrefour compte sur vous. Merci de prendre part à la solennité de l'aujourd'hui. Et merci aussi pour votre contribution. Nous adressons nos remerciements à nos braves policiers qui travaillent jour et nuit dans des conditions extrêmement difficiles pour faire régner la paix dans cette commune surpeuplée. Monsieur le commissaire, monsieur l'inspecteur et les agents qui vous accompagnent, un grand merci du fond du cœur. Un grand merci à l'équipe de liturgie et de décoration sous la guidance de Madame Edel Delerme. Cette équipe s'est vraiment investie pour parer cette enceinte pour la circonstance. Dieu vous le rendra au centuple. Merci à la chorale paroissiale qui s'est dévouée corps et âme en consentant d'énormes sacrifices pour préparer la liturgie de cette solennité. Bravo. Et équipe de nettoyage noir. Vous savez, c'est des infatigables. Ce n'est pas seulement le fait que là, mais c'est chaque jour. Vous êtes là pour qu'un pays en sainte belle et propre. Nous vous remercions à tout cœur, non? Et nous connaissons récompense. Ce n'est pas dans mes noms, c'est dans mes bon Dieu. Chaque monde, tout le monde qui était bâti qui choye, pour nous réaliser fait ça, nous disons merci. L'histoire est longue, nous ne pouvons pas citer non. Si vous avez citer non, tout le monde qui baille, mais ça va être fini. On est bien, nous inscrits dans le cœur bon Dieu, et ça nous baille là, l'aider, et ça qui permet tout, faites-nous en belle. Même si nous n'avons pas cité par chacun pour ça, donc vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bravo pour tous ceux qui ont contribué à cette célébration. Reconnaissance et gratitude à notre sacristain, Frère Mano, qui est toujours là avec nous, à nos servants d'hôtel, c'est des infatigables, aux musiciens, à notre ingénieur de son, M. Vincent, qui était prêté nos appareils pour faire son. Toute notre gratitude à l'égard de tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cette solennité soit une réussite. Merci en pile. Merci à notre équipe de restauration qui s'occupe du banquet de la fête. Vos efforts ne seront pas vains aux yeux de Dieu. Merci à la presse parlée, écrite et télévisée, Radio Télé-Soleil, Radio Télé-Guinée, si l'autre là n'est pas connu, nous disons merci. Et nous certains que nous va transmettre remerciements à tout staff qui a dirigé Pressaille. Merci en pile. Un grand merci à tous ceux-là qui de près ou de loin ont contribué positivement pour la réussite de cette patronale. Bonne fête à vous tous. Bienvenue au Seigneur, avant de recevoir la bénédiction finale, moi je vais appeler, dire merci encore à Père Percuria, à tout le monde qui prépare cette belle fête. Je vais appeler nos propres, rangez-moi bien, il est presque midi, il y a presque une heure, pas bien que l'heure a changé. On est presque midi, moi pas Kevin Trop, moi je voulais dire, Père Portin, qui remercie nous tous qui coordonnent fait là, un grand merci. Merci tout parce que Père Portin répond en septembre à la demande de moi de Féli pour lever une chancelier de l'archidiocèse.
ça veut dire comme le secrétaire général, le notaire, responsable des archives, responsable de la correspondance dans l'archidiocèse, son charge qui est un peu lourde, lui obligé à aller au moins trois fois par semaine par Orbès, mais heureusement, il y a des vies qui jambent. Ce sont des Moïsia, ça permet que tu aies la cafette, ensemble avec Père Edwin, qui est vice-chancelier. Père Portin, dévoile en pile pour faire ça. Et pendant une seconde, elle m'a cherché, Père Portin, ma belle. Elle m'a fait un coup d'œil sur le côté, moi, elle est sur l'organe, et ça me songe, c'est un plus grand musicien que Claire Giagain. Père Portin, félicitations et merci. Merci à tout le monde, tout l'agent pastoral qui dévoué dans paroisse. Merci à tout le monde, institution qui démet main pour fête la belle. Moi-même, j'ai souligné souvent dans les fêtes patronales un point capital. La fête patronale, la fête de Saint-Charles, la fête de Perpétuel Secours, Côte Plage, Immaculée Marianne, tout côté. La fête patronale, premier élément la donne, c'est la liturgie. La messe, là. Et les lectures, les chants, la préparation. C'est le premier et particulier important en fait là. Et c'est ça fait faut toujours soigner. Et c'est ça fait toi tout comme. Moi remercier tout le monde qui a préparé liturgie. Avant hier, moi j'ai fait messe dans mon paroisse. Et c'est ça qui est bien passé. À la fin messe là, moi remercier et féliciter. Et l'équipe qui prépare là. Et bon monde qui est dans l'église là, qui dit monsieur Sowe là, c'est Troquette là. Charge là, c'est Saint-Charles au Baloël, dimanche. Donc pourquoi monsieur Charles aime parler de formation? De quoi ça pour ça? Et de fait, moi je dis, à chorale, à la liturgie chorale, musicien, félicitations. C'est très bien, une bonne célébration. Bon Dieu. Bon Dieu, pour mettre nous tout ça au sens simple. Toute autorité qui est présente, tout le monde qui est là, le monde qui parle là, le monde qui suit, mais ça à travers la télévision, l'église a porté mon accueil. Fête patronale, j'en curé à dire, tout le monde vient la donne. Tout le monde, c'est fête zone, il vient que nous venons la prier parce que nous seul, mon Dieu, il y a même mon Dieu qui papa nous tous. Nous n'avons pas prié pour commune, nous n'avons pas prié pour pays. Dans la prière pour le peuple noir, pour mon Dieu, dans une situation difficile que la vive. Alors, bonne fête à nous tous qui là, bonne fête à tout le monde qui a suivi mais ça à travers la presse, bonne fête à mon qui la caille. Que mon Dieu bénisse, commune Kafou, que mon Dieu bénisse nous tous. Merci. Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.